Vous connaissez le petit Booba qui traîne avec le frère colonel Frontal à l'avenue Kennedy. Colonel Frontal nous avait présenté ce jeune Booba, un enfant de la rue qu'il avait enlevé dans la rue pour l'amener à l'école. Je ne savais pas que son premier tuteur, bon, pas tuteur, en fait, le premier qui a voulu l'enlever dans la rue était Bruno Bidjan. Je suis tombé sur une vidéo, j'ai dit, hey, donc Bruno Bidjan était aussi dans l'affaire ici. Les internautes ont commencé à mettre la pression sur Bruno Bidjan. Question de savoir quelle est la suite, puisqu'il nous avait, il avait présenté certainement à ces internautes-là qui voulaient changer la situation du jeune Booba. Nous allons l'écouter. Écoutons attentivement ce que Bruno Bijan nous dit à ce sujet-là. Écoutons. Que devient le jeune Booba dont vous avez pris la responsabilité? Ok. Alors, ça, c'est une question à laquelle je vais quand même répondre. Parce que depuis un certain moment, des gens m'abordent sur cette question-là. Je crois qu'il est temps pour moi de dire deux ou trois choses très rapidement concernant le jeune Booba que j'avais récupéré, que j'avais recueilli, ma femme et moi, il y a très exactement un an. Alors, que se passe-t-il d'ailleurs? Tout le monde connaît l'histoire, c'est que la vidéo du jeune Booba avait touché pas mal de personnes sur les réseaux sociaux. Et moi particulièrement, j'avais été touché par cet enfant, par son dynamisme, par sa volonté de réussir et par son sens de la responsabilité. Parce que très peu de jeunes garçons se retrouvent dans la rue avec cette conscience, avec cette responsabilité-là de vouloir retourner à l'école si jamais ils avaient la chance. Et donc, j'en ai parlé à mon épouse et mon épouse m'a donné son option. Elle m'a dit, si tu penses que on peut le faire, moi, ça ne me pose pas de problème. Et donc, nous avons, j'avais fait une publication sur ma page pour dire que si quelqu'un était en contact avec le jeune Booba, qu'il puisse me contacter inbox pour qu'on puisse voir comment donner une nouvelle chance à cet enfant. Et évidemment, il y a une âme de bonne volonté d'ailleurs que je remercie et qui a toujours été là depuis le début pour le jeune Booba. Il s'appelle Monsieur Ndip. Monsieur Ndip me contacte sur WhatsApp et puis je lui donne rendez-vous au bureau. Il me dit, il va aller chercher Booba. Il est allé au pont de la gare. Il a retrouvé Booba avec ses amis. Il a ramené Booba au bureau et j'avais posé la question à Booba. Mon petit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il m'a dit, je veux retourner à l'école, tonton. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va te faire retourner à l'école. Et monsieur Ndip, moi et mon épouse avions donc commencé à chercher une école qui était idéale pour lui. Parce que le fait que il fallait lui donner une nouvelle chance, il fallait le resocialiser, nous a poussé à se poser la question de savoir quelle était la meilleure possibilité pour Booba, non seulement de se resocialiser, d'avoir une bonne éducation, d'avoir un cadre qui allait être idéal pour les études pour lui. Et c'est là qu'on avait à l'unanimité décidé de l'envoyer à Mimetala. Monsieur Ndip est parti à Mimetala, a pris tous les renseignements, on l'a inscrit, et d'ailleurs, je remercie la sœur principale qui était encore à cette époque-là, parce qu'elle a été mutée ailleurs, directrice de l'école primaire de Mimetala, qui nous a facilité tout le process de rescolarisation de Booba. Et c'est comme ça que Booba avait été inscrit donc à l'école, je crois, au CE1. Et nous avions préparé la rentrée de Booba comme si c'était notre propre enfant. Avant de continuer, mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Booba a tout eu. Je peux même pas vous dire combien on a dépensé pour permettre à ce que Booba puisse retourner à l'école. Booba a commencé l'école. Booba était assidu à l'école. Booba était suivi particulièrement à l'école. Booba a eu toutes les possibilités là-bas parce que nous avions décidé de lui permettre d'être dans un cadre idéal, agréable, pour qu'il ne soit pas différent des autres enfants qui venaient soit de bonne famille, soit qui avaient déjà leur vie. Donc Booba était même chouchouté d'entre ses camarades. C'était d'ailleurs le plus respecté parce que tout le monde savait que j'étais son père. Et donc, on y allait régulièrement, mon épouse et moi d'ailleurs. Certains ont dû voir les images qui ont circulé, qu'on faisait poster, parce qu'on voulait montrer que Booba avait retrouvé le chemin de l'école, que Booba avait une famille. Nous avions décidé de recueillir cet enfant et de le chérir comme si c'était le nôtre. Alors, il s'est passé des choses. Vous le savez, je ne vais pas revenir sur ça. J'ai eu des difficultés. J'ai été incarcéré pendant 6 mois. J'ai pratiquement passé, je crois, 3 semaines au 7. Donc, j'ai été privé de liberté pendant 7 mois. Et les 7 mois en question, nous n'avons pas baissé les bras. Booba était toujours suivi, chéri, et rien n'avait changé parce que son tuteur, M. Ndip, et la sœur principale venaient régulièrement me voir en prison. Et chaque fois qu'ils venaient me voir, on faisait le point sur l'éducation de Booba. Et je leur donnais le nécessaire pour continuer à suivre Booba. Booba ne manquait de rien, tout ce que Booba voulait, on achetait. Tout ce que Booba voulait, on achetait. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant que je suis en prison, il y a des choses qui se sont passées derrière moi et que son tuteur, ni la sœur principale ne voulait me tenir informé, prenant en compte que j'étais en prison. Et donc, pendant que j'étais en prison, je me rappelle, peut-être il me restait un mois,
Son tuteur est venu me parler, il me dit que non, il y a quand même, on a l'impression que Booba a encore une certaine dépendance vis-à-vis des stupéfiants. Donc il fallait qu'on trouve une possibilité pour une désintoxication. D'ailleurs, j'avais adhéré à cette idée-là, je lui ai donné de l'argent, on l'a amené au centre Pasteur. Et quand il est revenu, il m'a dit que on avait quand même donné des assurances, que ça allait changer et que je ne peux pas vous mentir, entre-temps, Booba travaillait très bien à l'école. Booba travaillait très bien à l'école parce que j'ai son bulletin à la maison. La note annuelle que Booba a eue de 9,54 ou 57, je ne sais plus bien, c'était une note encourageante pour un enfant qui avait fait pratiquement 6 ans sans aller à l'école. Et donc moi, ça me motivait, ça m'encourageait à continuer et à savoir qu'on était sur la bonne voie. Et donc quand je sors, la sœur principale et son tuteur décident de venir me voir au bureau parce qu'ils me disent qu'ils ont des choses à me dire. Et quand je les reçois, ils me disent que vraiment Bruno, on n'a pas voulu t'inquiéter quand tu étais en prison, mais voilà la situation. Booba a très souvent fugué lorsque nous étions lorsqu'il était à l'internat. Donc, tu as dû entendre ça, nous on voulait te dire que Booba a une addiction encore vis-à-vis des stupéfiants. Il quittait, il fuguait de l'internat, il partait à l'avenue Kennedy, il faisait une semaine là-bas, il fuguait de l'internat, il partait pendant les grandes vacances au stade d'Insimalen, il volait les sacs des mamans là-bas, il faisait ci, il faisait ça. Bref, je ne veux pas entrer dans les détails parce que pour moi, ce n'est pas le plus important. C'est un enfant qui a connu des moments difficiles, c'est normal que de temps en temps, il ait envie d'aller retrouver ses amis dans la rue, c'est normal que de temps en temps, il ait une addiction vis-à-vis de la drogue. Pour le soigner, ça n'allait pas prendre un an. Et moi, ma femme et moi étions conscients de cela. Et donc, je leur dis, ok, la sœur, comme tu n'es plus affecté, comme tu n'es plus en fonction à Mimetala et que tu es affecté ailleurs et que où tu pars, il n'y a que des filles qui sont acceptées là-bas, nous, on m'a trouvé une autre solution à Booba. Et la solution, c'était quoi? C'était que j'avais vu beaucoup d'amis m'avaient parlé de Betamba lorsqu'on avait décidé d'envoyer Booba à Mimetala. Donc, j'ai décidé d'envoyer son tuteur à Betamba pour aller se renseigner sur qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse envoyer Booba là-bas. Parce qu'il lui fallait un cadre où il allait être concentré, où ça n'allait pas être la ville, où il n'allait même pas avoir envie de quitter ce cadre-là pour aller ailleurs. Parce que ses amis ou alors l'avenue Kennedy et autres allaient être loin de lui. Monsieur Ndjibé est parti, il a pris les renseignements, on a monté le dossier au niveau de la délégation départementale du ministère des Affaires sociales. On a accepté d'accueillir Booba. Et j'ai fait venir Booba à mon bureau, je lui ai dit voilà, on va te changer d'école, tu vas aller à Betamba. Et comme tu m'as dit que tu veux aussi apprendre la mécanique, tu vas faire en même temps l'école et tu vas apprendre la mécanique parce qu'il y a toutes ces possibilités là-bas pour ceux qui connaissent Betamba. Ils sont durs, mais tous les enfants qui entrent là-bas ressortent redressés. Et moi, l'objectif était que Booba puisse faire minimum 2 années là-bas pour qu'en sortant, on puisse lui trouver donc une école qui allait lui permettre de pouvoir continuer. Et pendant qu'on y est, la semaine qu'on devait envoyer Booba à Betamba, il me dit qu'il est chez une maman, je lui dis non, il faut qu'on lui prenne une chambre dans un hôtel pour qu'il puisse rester là-bas le temps qu'on faisait son dossier et qu'il puisse retourner, donc qu'il puisse aller à Betamba. Pendant qu'on y est, on me dit qu'il y a une vidéo de Booba qui circule sur les réseaux sociaux ou dans la rue où quelqu'un l'a récupéré. D'ailleurs, je dis merci à ce gars qui m'avait contacté, je me rappelle, pour la récupération de Booba et qui avait décidé donc maintenant de s'occuper de lui. Donc voilà un peu comment moi j'ai décidé d'enlever mes mains dans cette affaire. Mais je ne peux pas être dans un processus où je veux donner une éducation à un enfant, il se retrouve dans la rue, il me raconte les bêtises et je le retrouve dans la rue. Donc moi j'estimais qu'il fallait que j'enlève ma main là-dessus. J'en ai parlé à mon épouse m'a dit c'était ta décision. D'ailleurs, je remercie la personne qui a récupéré Booba et j'espère qu'aujourd'hui il a une éducation. Et Booba a la volonté d'aller à l'école, donc il faut l'encourager d'aller à l'école. Moi j'ai fait ma part, maintenant quelqu'un d'autre a pris la relève, je ne peux que lui souhaiter bon courage et si je peux faire quelque chose, je n'hésiterai pas. Tu dois déjà t'abonner. Tu sais pourquoi? En t'abonnant, tu es au courant de toutes les actualités du 237 ainsi que les buzz. Partage aussi pour m'encourager. Tu peux lâcher aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse ou bien si tu as quelque chose à dire.